After revolution was meant to tell the public, and even to ourselves, in fact, that we started a movement called the revolution, but we didn't reach the ultimate reason of the revolution, and we are not near to do that. The work which has been done for that exhibition was in that purpose. C'est la première fois qu'on s'appropriait la rue, quoi. Quand les sont venus, on savait pas que le président allait quitter le pays en fin de journée. Les deux photos qui ont été sélectionnées ici, je les avais prises le 19 février 2011, la veille de l'arrivée de Londres de Rached Ghannouchi, président du parti Ennahda. En Tunisie, on a des Tunisiens de confession juive, confession chrétienne, il y a aussi des bouddhistes, il y a des bahaïs. On ne peut pas construire une démocratie sur une seule religion. Oui. La liberté, on l'a pas. La liberté, on l'arrache. La liberté, c'est... Moi, par exemple, je rêve pas d'être libre. Je rêve d'être militant et de consacrer ma vie à arracher cette liberté. C'est un petit peu l'extase. Et parce que si tu es libre, qu'est-ce que je vais faire après? Moi, je suis libre. C'est bon. On est libre. C'est bon. OK. Il y a le soleil, la plage, et on est libre en plus. Ça va. Ça le fait pas. رحلت رحلت ترحل بالسلامة رحلت بلا صخب بلا ضجيج بلا عويل رحلت بلا تسمى بلا نيروز رحلت رحل بالسلام. L'oppression des femmes et des minorités de genre, en fait, c'est quelque chose qui relève non pas seulement de comportements individuels qui seraient sexistes, etc., mais qui relève d'une structure qui est le patriarcat, en fait. Et le patriarcat, il y a la révolution féministe, elle va chercher à le détruire. Et nous, on voudrait que la révolution qui a lieu, qui en marche ici, soit aussi une révolution féministe. Et le... Par ailleurs, en plus... Tout ça, ça a quand même lieu dans un cadre qui est celui de la mobilisation et de la lutte contre la loi travail. Or, la loi travail, qui est-ce qu'elle touche en particulier? C'est les femmes. Et qui est-ce qu'elle touche en particulier parmi les femmes? C'est les femmes les plus précarisées. C'est les femmes racisées. C'est les femmes voilées. C'est les femmes qui ne sont pas des femmes bourgeoises, blanches et tout. Et ces femmes-là, on voudrait que cette espèce de la commission féministe il s'ouvre à elles aussi, qu'il soit assez inclusif pour que toutes ces femmes, elles aient une place ici, sur la place de la République. Voilà. Sur ces deux domaines, travail domestique et travail salarié, on observe encore aujourd'hui de très grandes inégalités donc, entre les femmes et les hommes. Donc les femmes occupent des postes plus précaires, qui donnent moins d'argent, moins de pouvoir et moins de prestige que ceux qui sont occupés par les hommes. C'est vraiment un résumé. Donc des postes plus précaires, qui gagnent moins, qui donnent moins de pouvoir et moins de prestige que ceux occupés par les hommes. Donc aujourd'hui, en moyenne, elles gagnent 25% en moins que les hommes. Et à votre avis, sur 134 pays dans lesquels on a analysé, on a étudié
l'égalité salariale entre femmes et hommes, on est combien sur 134 à votre avis en France? Vous disiez 30e derrière. Sur l'égalité salariale sur 134 pays entre les femmes et les hommes, j'ai eu 30, allez, faites monter les enchères. 132, et oui, on est 132e sur 134. On est les plus nuls, quasiment. Donc, si les femmes travaillent plus pour gagner moins, en résumé, c'est pour deux raisons. C'est parce qu'elles elles font plus de travail gratuit que les hommes et moins de travail salarié qu'eux. Et aussi parce qu'elles sont moins bien payées que les hommes sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, en France, on se rend compte qu'il y a deux modes de production. Il y a le mode de production capitaliste et le mode de production domestique. Et que ces deux modes de production engendrent donc deux formes d'exploitation différentes et qui interagissent. Mais donc, à qui est-ce que ça profite? Alors, à qui ça profite ces deux grandes inégalités dans le travail domestique et dans le travail salarié? Alors, le premier groupe, vous vous en doutez bien, c'est les patrons. Alors, pourquoi ça profite aux patrons? Donc, les patrons, qui sait, c'est les détenteurs des moyens de production. Ben, parce que les femmes restent une main-d'œuvre bon marché. C'est intéressant pour les patrons de payer 10 à 20% en moins des personnes pour le même travail. Hein. C'est très intéressant, c'est pareil que pour les migrants. Ils ont tout à fait intérêt à ce que ça continue. C'est de l'exploitation, c'est de la surexploitation d'une main-d'œuvre. Donc ça, ils sont très contents. Et aussi, ils ont tout à fait intérêt à ce que les femmes fassent les trois quarts du travail domestique, parce que ça fait la moitié de la population qui n'a pas le temps de se révolter, qui n'a pas le temps de se syndiquer, qui n'a pas le temps de négocier ses conditions de travail. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour les patrons, que les femmes restent au foyer, soient coincées au foyer. Ça fait la moitié de la population, 50%, c'est pas rien, qui ne peut pas se syndiquer, qui a des difficultés pour se syndiquer. Et le deuxième groupe, bon, ça vous l'avez deviné aussi, c'est qui? Les hommes, bien sûr. Les hommes ont intérêt à ce que ça continue. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent travailler moins pour gagner plus, tout en ayant quelqu'un qui s'occupe de leurs enfants, qui fait à manger, qui les réconforte, qui nettoie la maison et qui leur permet pendant ces temps, eux, de se syndiquer, de se révolter et d'avoir prise sur le monde social. Alors, la loi El Khomri, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça va faire globalement sur le travail et qu'est-ce que ça va faire sur le travail des femmes? Si elle passe, moi je pense qu'elle passera pas. Mais Milena, alors quel effet ça a déjà? Donc on en parle depuis tout à l'heure, les femmes sont déjà les plus précaires dans notre société. Donc en fait ce qui va se passer si la loi El Khomri passe, c'est que leur situation va se généraliser à toute la population, mais aussi leur situation à elles va empirer. Parce que ce qui a le grand truc de la loi El Khomri, et qui reste encore malgré toutes les négociations et toutes ces manifestations, blocages et actions, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Donc ça veut dire qu'il y a moins de protection pour les salariés, parce que tout va se négocier localement. En fait, le projet de loi fait primer les accords d'entreprise, même s'ils sont défavorables. Donc en fait, les négociations vont avoir lieu en fonction du rapport de force de chaque entreprise. Donc ça veut dire que les patrons auront la capacité d'imposer, par exemple, une augmentation du temps de travail, d'imposer des heures supplémentaires payées en heures complémentaires, et ça va faciliter le licenciement, puisque le licenciement abusif va disparaître. Par exemple aussi, ça va totalement toucher les femmes, parce que les temps partiels, les heures de temps partiel vont pouvoir être diminuées, et ça c'est les femmes qui sont les premières touchées par les temps partiels. Il y aura de moins en moins de médecine du travail aussi, et il y aura une remise en cause avec cette loi de la prise en compte de la situation familiale quand les patrons voudront imposer un changement de date, par exemple, de travail au dernier moment. Donc ça va vraiment précariser les femmes encore plus. Alors les temps partiels de merde, ces temps partiels de caissière, de femme de ménage, ce genre de choses, c'est occupé par les femmes et principalement par les femmes prolétaires et les femmes issues de l'immigration. Alors là, c'est dramatique que leurs conditions de travail s'empirent encore, et ça a un effet spécial sur les femmes,
c'est le harcèlement sexuel. Plus le rapport de force est faible entre l'employé et le patron, plus le patron a des moyens d'harceler sexuellement les femmes. Moi, je peux vous dire, je suis précaire de l'université, enfin j'étais, je viens de plus être précaire de l'université, j'étais précaire d'université. Le harcèlement de nos employeurs, le harcèlement sexuel des employeurs sur les vacataires, les titulaires sur les vacataires, c'est énorme. C'est un truc incroyable. Et alors ça, plus le rapport de force est faible, plus les femmes sont harcelées sexuellement par leur supérieur hiérarchique. Et c'est vraiment très grave, ça a des conséquences très graves en termes de santé au travail, de santé morale. La deuxième chose, c'est que les nouvelles dispositions, elles rendent totalement caduques le peu de lois sur l'égalité salariale qu'on avait réussi à obtenir. Là, maintenant, ça va être impossible pour les femmes, pour les syndicats, pour les rares syndicats qui se préoccupent de cette question-là, de négocier l'égalité salariale. Dans la loi, normalement, les entreprises doivent être pénalisées si elles ne respectent pas l'égalité salariale, si elles ne payent pas de la même manière les femmes et les hommes, si elles ne donnent pas les mêmes promotions aux femmes et aux hommes, si elles discriminent en gros les femmes et les hommes. Et donc aujourd'hui, avec la loi El Khomri, si elle passe, il y aura zéro pression sur les entreprises pour que ça change. Il y a une loi, mais elle est inapplicable. Enfin, le troisième point, le troisième effet que la loi El Khomri aurait sur les femmes, c'est qu'il y a beaucoup de travail féminin qui sont dangereux pour la santé. Mais ce n'est pas reconnu par la médecine du travail. La loi El Khomri, elle prévoit de supprimer la médecine du travail dans les secteurs soi-disant pas dangereux. Or, dans beaucoup de travaux féminins, majoritairement féminins, il y a beaucoup de dangers pas reconnus. Alors, par exemple, les femmes de ménage. Oui, alors il y a des enquêtes qui ont été faites qui se sont rendues compte que les femmes de ménage étaient exposées vraiment à des produits extrêmement toxiques, ce qui engendrait des cancers et des maladies professionnelles, et également aussi des maladies de peau comme l'eczéma. Moi, je peux prendre l'exemple de mon ex-belle-mère. Elle travaillait comme femme de ménage dans les trains la nuit, la SNCF. Elle a 55 ans, elle a les poumons de quelqu'un de 75 ans. Elle est en train elle suffoque, quoi. C'est vraiment hyper nocif. Pareil sur l'amiante. Il y a des hommes qui ont réussi à avoir des compensations quand ils ont travaillé avec de l'amiante. Toutes les femmes de ménage qui lavent des sols amiantés, elles sont aussi exposées à l'amiante. Et ça, c'est pas du tout reconnu par la médecine du travail. Et alors, pour finir sur la loi El Khomri, nous, en fait, donc celles et ceux qui militent pour l'égalité entre les sexes ont dit que cette loi, ce serait la double peine pour les femmes. Pourquoi ? Parce que si les femmes ne peuvent pas s'adapter aux exigences des patrons, ce qui risque d'arriver, elles vont être plus facilement licenciées qu'avant, il va y avoir un licenciement, et donc elles vont être renvoyées à la sphère domestique, et ça va augmenter l'exploitation domestique et la dépendance au salaire du conjoint. Not me taking something from them, but basically more like doing something with them rather than on them. In a way, I became some kind of, neighborhood photographer, and I like that idea too, to write the visual history of that place at that moment. Carlos, he went to change, put his suit. And he did some crazy stuff like climbing on the car and like posing like that. And after I started to climb here, I don't know why and so on. But I think it's interesting picture because we don't know exactly what it means, what he's doing. And she was really nice. She just asked me to take her picture. I don't know why. We had this kind of
nice moment together, and that just came to me and said, take my picture. Maybe she wanted to exist through my camera. I would love to find her, you know. I don't know if they still live there or not. But we might find some people, yes. I haven't been there for a while, so I'm interested, definitely. Also, I did a book, look, about Camden. Oh, wow. So... take them. Yeah, sure. For Carlos. And Carlos is good now? Hmm? He's good? Yeah, yeah. That's his sister. Ah, it's your sister? Yeah. And with the daughter, it's a beautiful picture with the daughter, like, coming there. That's real nice of you, man, you know, to document this like this. That's a moment in time, you know, that we totally forgot about. Yeah. This one. Your favorite was that. Oh, shit. And you're just right here. Yeah, right here. Carlos. Oh, Carlos is coming. Ah, yeah. Yeah, here comes Carlos now, look. Like, how many years have been? What's your name again? JC. JC, right? Yes. And you from France? Exactly. Hey, I remember it. You know, I always believed you from the beginning. I always believed in JC. Yeah, man. I just pictured your card you gave me. Yeah. I lost all my information and I lost your card too. Uh-huh. The only picture I remember is when I got on that on that gate right there and I held on. Yeah. And I was like, you know what? This is me holding on to life. And that's what I was picturing. You know, it was not just me holding on to a gate. It was just me hanging on to life, period. Uh-huh. This is somebody's loved ones, you know? Yeah, exactly. You know, it could have been any of us. The wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life. Life or death? Choose life. Love or hate? Choose love. Oh, je la connais. Yeah. Where you been? I've been around. Yeah. And you're still here? Yeah, I wanted my picture. Which one was it? Let me see if... We was on Marion Street over there. Let me see where you are. What's your name again? Audrey. Audrey. Maybe this one? Is it you? Yeah, that's me. That's you? Yeah, right there, yeah. Well, I'm so happy to find you. Yeah, that's me, right there. You look beautiful in that picture. Thank you. When was that? When did you take the picture? Was it last summer? Last summer? No, two summers ago, no, right? It's more than that. It's four. 2 summers ago? Four years ago, baby. Was that long? Yes. Yeah. Are you okay? So. I'm making it though. Yeah? She died. Yeah, I know she died.
Yeah, I know. Sad. Me and Gino. Yeah. You want it? Yeah. He probably want this too. Yeah. Well, I have one. Yeah. This guy passed away too. Yeah. So that was like 4 years ago. This, yeah. Carlos. Yeah, that's where we took the picture at, yeah. Yeah, I love this guy. He was really sweet. Mm-hmm. He got in trouble. She's locked up now. You want the picture? Yeah, I'll take it. I'll make sure she get it. Thank you. Put a book together for me so I can give it to my family. Oh, okay. Yeah. Because they've been wanting to see that. Uh-huh. That's a good book. You did a good job. Okay, thank you. Okay. I have one. Oh, you do have one. Oh, okay. Thank you. Thank you. Thank you, Andre. Take care. Only thing I want is shelter. I have shelter, I can get back into getting my job and things like that. She could go back to school, you know, things like that. She was in school, going to college and everything. So, you know, we don't just sit around here. We go out, we still look for jobs and everything. I just want to have a stable place and have clear my mind from this and just leave this surrounding right here. You put wood in there. You put wood in there. Yeah, it just keeps it warm. It's wood. You want tuna fish too? I'm looking for what's in here. Yeah, wow. It is purple. Yes, wow. Hold on, yeah. He's good. Yeah, it's real good. Purple sunshine. No. Y'all look. I'm
Okay, everybody else here. Okay. Yes. One, two, three. Yes. Good. Yes. Perfect. Thank you. Oh yeah, 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 oh yeah